Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Guinée, Mamadi Doumbouya devient le plus haut gradé de l'armée. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, s'est fait élever au grade de général d'armée. Vendredi 1er novembre, à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la création des forces armées guinéennes, arrivé au pouvoir avec le grade de colonel, il s'est fait passer général de corps d'armée il y a moins d'un an. Il devient désormais le plus haut gradé du pays. En plus de cela, il a été élevé à la dignité de grande croix dans l'ordre national du Colatier. En reconnaissance du minime service rendu à la nation, pour la cohésion sociale, la cause de la paix, le renforcement et l'élargissement des relations de coopération entre les peuples. Il s'est aussi attribué la médaille Croix de guerre en reconnaissance, dit-on, à ses actes de bravoure remarquables dans l'accomplissement de sa mission. En plus, plusieurs de ses proches ont également été promus à des grades supérieurs. Il s'agit pour le grade de général de corps d'armée, général de division David Abba, général de division Ibrahim Aban, Goura Sori, général de division Bala Samoura. Pour le grade de général de division, on a le général de brigade Amara Kamara, le général de brigade aérienne Ahmed Mori Diallo, général de brigade Abdoulaye Keita, général de brigade aérienne Yacouba Touré, contre-admiral Mamadou Yaya Diallo, général de brigade Djembar Sori Kamara, général de brigade Moussa Kamara. Pour le grade de général de brigade, nous avons le colonel Michel Ange Bangoura, colonel Mamadou Aliocho, colonel Malenke Diakité, colonel Mohamed Silla, colonel Fatoumata Yari Silla, colonel Aminata Diallo. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.